Un goéland, deux goélands, trois goélands. Attends. Où est-ce que t'as vu autant de goélands, toi? Oh, va falloir qu'on y aille en sortant. Ôtez vos sales pattes de là, mal élevées. La propriétaire de cette île possède la jouissance exclusive de la villa. Alors filez d'ici, horrible individu. Je vais lui montrer ça. Hé, mal élevé, ôtez vos sales pattes. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes donc le nouveau propriétaire de l'île? Et vous vous appelez Neroxys. Ah, bon, joli prénom. Veuillez refermer la porte délicatement, Neroxys. Ouais. Tu fais bien de me parler comme ça, parce que je suis chez moi ici. Hein. C'est quand même bizarre, une porte qui parle. Ah bon, ça fait partie de la magie de Zelda. Oh, il est partout. Je peux lui parler ou pas? Non, je peux pas lui parler. Je vais casser les vases. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je peux pas casser les vases. Laisse-moi casser les vases de chez moi. Non mais, je m'appelle Link, je rentre partout dans le monde entier, je vais dans toutes les baraques, etc. Je peux casser les vases de tout le monde, sauf les miens. Laissez-moi casser mes vases. Ah, coucou Popiette, comment tu vas? Là, je peux les casser, ceux-là. Je peux pas casser mes vases. Je m'en fous, je casse les tasses. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ça va, ça va. Il fait ultra chaud, mais ça va. Yeah. Ah, ça marche pas. Bon, alors je suppose qu'il y a un truc à faire avec ce puzzle. Peut-être que ce puzzle corresponde à celui de derrière. Dites, patron, souhaitez-vous vous adonner à un passe-temps d'aristocrate? Un taquin sur le mur, ça s'appelle comme ça? Moi, j'appelle ça un puzzle. Un taquin, je connaissais pas le nom. Oui, je vous explique les règles du jeu. D'accord. Utilisez le stick pour bouger les panneaux dans les quatre directions afin de reconstituer le dessin. J'ajouterai le dernier panneau dans le coin en haut à droite. Vous avez bien compris? C'est compris. Alors, allez-y, prenez tout votre temps. Bon, alors si j'ai tout mon temps, on va en profiter. Une fois qu'on n'est pas pressé dans Zelda. I am trompé. Je me suis trompé. Bon, ça va prendre un moment, je pense. Je vais essayer de rapatrier les pièces du haut vers le haut, les pièces du bas vers le bas, sans vraiment me préoccuper du dessin. Bon, alors je pense que le bras droit il va ici.
Ouais, non, je... Non, non, peut-être pas. Je vais pas vous embêter avec ça. Je vais essayer de... Puis j'essaierai d'avancer dessus hors stream ou un truc comme ça, mais... Je vais pas vous embêter éternellement avec un truc comme ça. Ah, j'ai inversé des pièces qui étaient au bon endroit. Alors, je crois qu'il est bizarre, notre bonhomme, non? Alors, est-ce que... Non, lui, il se met bien là. Notre ligne du dessus est quasiment terminée. Oh, faut que j'arrive à rapatrier cette pièce là-haut. Fait, il faudrait que j'arrive à me débarrasser de cette pièce là qui traîne. Non, mais ah non, parce que... Arrête de faire n'importe quoi. Celle que je vais bouger là, celle-ci là, faudrait que j'arrive à la mettre en bas. Comme ça, je serai tranquille. Donc, est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Problème, c'est que quand je fais ça, je décale vraiment trop, trop. Ah non, c'est bien en fait. Ah, c'est pas si mal. On commence à toucher à quelque chose là. Alors, tu sais ce que c'est que ces espèces d'ampoules à gauche du puzzle? Oh mon Dieu! Je crois savoir ce que c'est, oui. Ça va être différents dessins, et à chaque fois que je réussis un dessin, l'ampoule s'éclaire. Il y en a autant que ça, c'est pas possible. Oh non! J'ai fini le dessin, j'ai tout décalé! Non! Faut que... Oh là là, faut ceux-ci, c'est ceux qui se mettent tout en haut! C'est pas possible! Du coup, j'ai tout inversé. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Attendez, si je mets... Oui, non, je vais m'arrêter. J'ai besoin du modèle de derrière là. Pardon, je vous ai fait perdre votre temps avec un jeu aussi ennuyant, c'est ma faute, pardonnez-moi. Ah. Non, alors ne bouge pas, je vais regarder. Je vais regarder le modèle. D'accord, ok. Donc, le tout le truc blanc là, ok, c'est bon. Ok, le passage il est en haut à gauche. Ah ouais, ok. Bon, je fais bien de regarder parce qu'au final. Thank you.
Mais comment ils font les gens qui font des speedruns sur Zelda Wind Waker ils peuvent pas sécher ça en 30 secondes quand même. Et c'est en haut à droite, faut que je mette quoi comme partie du corps? En tout cas, c'est indispensable dans l'histoire de Zelda. Sans ça, j'aurais pas ma carte, et du coup, je pourrais pas continuer. Mais je sais absolument pas comment ils font. En tout cas, c'est intéressant, mais en stream, ça va être l'horreur de faire ça. Oh, il me manque la partie qui est à droite là. Puis en plus j'ai décalé la partie. Non! Comment on peut résoudre ces trucs là? En fait, je crois que c'est ça qui fait que le jeu il est pas bien. C'est ça qui a tué la c'est ça qui a tué la enfin, l'histoire du jeu que personne n'apprécie, Wind Waker, etc. J'avais oublié. C'est pas forcément plaisant de retrouver tous ces souvenirs, en fait. Oh là là. Ça va être tellement l'horreur. Je dois y arriver. Oh, j'ai fait n'importe quoi. En fait, je commence à comprendre comment déplacer les pièces là où je souhaite les déplacer. Mais le problème, c'est quand j'en déplace une, puis qu'après je regarde un peu plus loin mon puzzle, je me rends compte que j'ai tout déplacé, que j'ai tout cassé. Alors, ce qui est important, c'est de savoir quelle pièce il manque au puzzle, et tu commences à résoudre le puzzle par la pièce opposée à celle qui manque. Ouais, j'ai cru comprendre, c'était celle en haut à droite. Du coup, ça me fait un slot enfin, pour pouvoir faire naviguer mes pièces, mais c'est pas évident. Non, toi tu bouges pas.